Eh bien, maintenant qu'on a tous avalé notre portion de gomme de pneu écumée, je dois avouer que toutes mes prédictions pour cette matinée à Ibisu sont tombées à l'eau. Il y a tellement de pilotes ici qui ont des ailes de rodéo urbain derrière eux sans être des... Oui, je vous en parlais tout à l'heure, nous avons un pilote très en vue ici sur Active Sessions. Il s'appelle Ryan Cooper. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce pilote, qui en avait marre de récupérer sans arrêt sa voiture en fourrière... Est-ce que nous sommes en train de...
Je vois qu'on a Guy Doulet parmi nous aujourd'hui. Il est du team Grip Runners, au volant d'une Ford Cosworth. Gavin raconte souvent qu'il doit son succès dans les courses de grip au fait qu'il a été impliqué dans pas mal de courses-poursuites avec les flics. C'est vrai que, comparé à la menace de la prison et de la fourrière, une course légale, c'est moins de stress. Il va donc falloir compter avec... Attention au départ. Ok, tout le monde, on y va.
Vous en dites quoi, Ryan Cooper? Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça, vous? Moi, je m'en remets toujours pas. D'accord, j'avais entendu parler de lui et je m'attendais à trouver un bon pilote. Mais maîtriser son sujet à ce point-là, tout semble lui réussir. Je vous en parlais il y a 2 minutes, ce qui va se... Ah, excusez-moi une petite seconde. Ça y est, on est bon. Bon, qu'est-ce que je disais? Bien, je crois que... Les courses auxquelles nous assistons aujourd'hui sont exceptionnelles. Et pour couronner le tout, Ryan Cooper nous a offert une performance surpuissante. Faudra lui dire qu'il n'y a pas de flic qui lui pourra... Thank you.
On croirait que tous les pilotes conduisent des cartes aujourd'hui. Sauf Ryan Cooper, bien sûr. Il est surclasse tous. Il a dominé toutes les courses Red Team Session ce week-end. Il s'est sûrement promis de tout gagner comme... Je vais faire un tour sur la ligne de départ, Amélie. Et on a un après-midi intéressant en vue ici, au Reactive Sessions. La plupart des pilotes ont des réputations qui parlent pour eux, et ça va donc être un plaisir de voir ce qu'ils nous réservent.
Eh ben dites-moi, Ryan Cooper est vraiment doué pour le drift. Ses derniers résultats sont très très bons, et je serais pas surpris de le voir prochainement sur un rassemblement de Noise Bond. Union est aussi représentée aujourd'hui. J'ai reconnu la Camaro de 67 de Tony Manila ce matin. J'ai entendu dire qu'il a recouvert les murs d'une pièce de sa maison avec toutes les preuves qu'il a... Risque de chauffer avec Ryan Cooper au départ.
L'écurie Apex Glide est aussi avec nous aujourd'hui. Ah, on entend ces rumeurs à leur sujet. Celle que je préfère, c'est celle qui veut que pour intégrer l'équipe, il faut tamponner une voiture de police par l'arrière, puis prendre la fuite. Je sais pas si c'est vrai, toujours est-il que sur les circuits, ce sont vraiment des stars. On croirait que tous les pilotes conduisent des cartes aujourd'hui. Sauf Ariel Cooper, bien sûr. Il les surclasse tous. Il a dominé toutes les courses Reactive Session ce week-end. Il s'est sûrement promis de tout gagner quand il a choisi de participer aux grosses courses légales. De toute façon, pour moi, c'est clair. Ça va continuer et... Excusez-moi.
Vous en dites quoi, Brian Cooper? Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça, vous? Moi, je m'en remets toujours pas. D'accord, j'avais entendu parler de lui et je m'attendais à trouver un bon pilote. Mais maîtriser son... Les courses auxquelles nous assistons aujourd'hui sont exceptionnelles. Et pour couronner le tout, Brian Cooper nous a offert une performance surpuissante. Faudra lui dire...